Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite d'Europa Universalis 4. On était en pleine guerre, ça avait été extrêmement difficile. On a réussi à tirer une paix blanche avec la Castille, et il faudra bien qu'on arrive à s'en protéger un jour, parce que franchement, c'est une vraie menace. En attendant, il nous reste Adjuran, qui s'est senti pousser des ailes, et également Passaï. Bon, je pense pas que ce soit très grave de ce côté-là. On va se relancer doucement. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour se sauver le cul. C'est parti! Allez. Bon, l'argent coule à flot, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Les bateaux sont arrivés ici. On peut dire. On peut dire que c'était nécessaire qu'ils arrivent ici. Les vaisseaux de transport, quant à eux, sont plutôt frais, on va dire. Donc, je pense qu'on va pouvoir les... voilà, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Embarquer eux. Et puis, reprendre la mer. Alors, on pourrait peut-être faire juste une petite escale ici, là, parce qu'il y a des... Il y a des séparatistes machins là qui cassent un peu les pieds. On va faire une mini escale. C'est parti. Ici on est en train de marcher. On a 19 000 hommes. Hein. Mais pas de canon. Pas de canon. Donc il nous faudrait des canons. Au moins un canon. Ça pourrait être bien. Un canon. Un canon en plus. Ouais, je vais en mettre deux. Bon, en avant. Ouais, ouais, Duran va occuper des trucs. Ils en profitent à mort. On est au courant. Les quatre qui sont là, ils vont pouvoir tenir. Ils vont aller chercher ce type-là. Hein. Ça me semble bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a là des mecs qui pensent qu'ils peuvent débarquer chez moi tranquille, tranquille et mille, quoi. Ça va pas être possible, je vais leur dire tout de suite, ça va pas être possible. Alors ici. Ah ouais, c'est raide hein, comme moment dans la partie, évidemment. Donc déjà, eux, on va les envoyer se faire voir. Là, on va couler ces débilos. Là, ça répare. Ouais, ouais, ça répare pas mal, même, je dirais. Oui, bon, il faut laisser réparer, pas le choix. Ok, donc on a pris un emprunt, tant pis. C'est pas grave, l'emprunt, on va dire que c'est pas la... C'est pas la prio. Débarquer à Zanzibar, par contre, ça me fait un peu chier. Ouais, ouais, ça me fait un peu chier. Ils aient débarqué à Zanzibar. Ok. Comment ça il... Ah putain oui c'est vrai. On a zéro marin. On a zéro. Littéralement zéro marin. Donc forcément forcément ça va poser problème. Ok. Ouais, ça a pris cher. Ça a pris cher, en sachant qu'on a de nouveau une rébellion à mater avant toute chose ici, là. C'est pas idéal. Puis eux, ils vont aussi prendre cher, en fait. Hein. Ah, c'est un peu compliqué. Le fait d'avoir zéro marin, c'est un petit peu l'emmerde. Je vous le cache pas. Ok. Allez, on va se mettre en marche, ici. Ouais, on va prendre une attrition assez... assez vénère en vrai. Ouais. Eux, je pense que pour l'instant. Ouais, mais les désarmer, ça semble être une idée de merde en vrai. Est-ce que j'ai des bateaux en état dans le bordel là? Il y en a 16 qui sont en état. On va voir si on peut pas aller pratiquer la course dans le coin pour se faire un peu d'argent.
Nope. Ah, tout ça, ça a déjà été pillé, malheureusement. Il n'y a pas moyen de piller plus pour l'instant. Ok. Ouais, 49% de la perte de la capitale, par contre, ça le fait assez moyen, on est bien d'accord, hein. Mais j'y peux rien. J'y peux rien. Pour l'instant, j'y peux rien. Ah si, si, y a moyen de piller. Pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouais, il faut que les bateaux se posent, sinon on va les perdre en vérité. Fin du siège de Zanzibar, bah ouais, c'est l'emmerdement, le vrai. Poser tes miches, s'il te plaît. Ici, on est arrivé là. Ouais, bah oui, mais. Le souci, c'est qu'on est arrivé là, mais qu'on a plus d'hommes en vrai. Et là, ils vont être 29 000 contre nous, et on sait que ça passe pas. Hein. À 29 000 contre nous. Hein. On le sait que ça passe pas du tout. Ouais, non. Ah non. Pour l'instant, tant que j'ai pas réuni mes forces, je peux rien y faire. Il faut qu'on mate cette rébellion de merde là avant. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Par contre, je peux toujours couler quelques bateaux ponctuellement, quoi. Ça, c'est pas interdit. Ouais, ça, c'est pas interdit du tout. Putain, ils vont vite, ces rebelles de merde! Allez, on va se reposer 2 minutes. Et crac, un emprunt, putain. Ouais, il faut absolument empêcher ça là. Il faut pas que ces trucs ils pètent quoi. Hein. C'est répression implacable, mais direct quoi. Il y en a tellement marre. Allez. Libérez-moi ça, s'il vous plaît. Là, on va essayer de libérer Adjuran. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pérou-Portugais, répression. Fermez vos gueules. Si possible. Merci, quoi. Ça, c'est en état de flotter, ça. Ça a l'air d'être en état de flotter. On va aller flotter dans les Caraïbes. Parce que ça va peut-être nous permettre éventuellement de récupérer du pognon. Et le pognon, on en a cruellement besoin. On va essayer de libérer Zanzibar. Bon, là-bas, il n'y a pas d'urgence. Et puis, de toute façon, même si je perds ces deux territoires, j'en ai profondément rien à battre. Donc. Ok. Il n'y a plus que 5 000 personnes prêtes à. Ah non, ça a déjà tout été rasé, ça. Ça a déjà tout été rasé. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. On va aller poser nos miches dans un endroit sûr et attendre des cieux meilleurs. Alors, là, il faut ramener donc effectivement l'intégralité des forces. On a juste un petit jump à faire, petit, nous amener jusqu'ici. Et on va pouvoir commencer la reconquête contre Adjuran. Bon, par contre, ça n'empêche pas que je me sens pas ultra serein dans ce genre de conditions. Déjà, ça, il faut y réduire, parce que j'ai pas envie que ça pète. Ensuite, il nous faudrait des vrais alliés, quoi. Autant lui, ça va, mais autant il y en a d'autres
Bah, des alliés, on en a plus en vrai. Hein. Zéro. Littéralement. Zéro. Ça fait trop, quoi. Ça, il faut que je vire. Faire des revendications. Okay. Abandonner les réseaux. Il nous faut des alliés, clairement, quoi. Il nous faut des gens aptes à nous défendre. Alors, toujours les Mamelouks auraient été un grand moment, on va dire, mais malheureusement, ils ne veulent pas. On va voir si on peut pas trouver d'autres grands alliés, peut-être la Perse. Ce serait top, la Perse également. Allez, 7% avec un peu de bol. Non, c'est pas grave. On va prendre un troisième emprunt. Ça pique. Ça, il faut, limiter les pertes, là. On n'a plus de marins, de toute façon. Comme on n'a plus de marins, on va se détendre sur la marine, de fait. Allez, crac. Un troisième emprunt. Donc, allez, on va essayer de miser sur le collègue persan, là. Sur les Mamelouks. Je sais pas où sont parties ces troupes à l'autre con. Aucune idée. Ouais, on va bien voir. Hein. Ouais, on va garder machin. Ouais. Ça, c'est pareil, couché, toi. Du coup, peut-être pas vous. Voilà. Ok, donc Zanzibar est de nouveau à nous. Ok, super. Province légitime de Mogadiscio. Mogadiscio, c'était laquelle? C'était là, c'est ça l'objectif de guerre. On va aller chercher l'objectif de guerre, Fissa. En vrai. Allez, en avant. Ça y est, il n'y a plus de... Comment? Il n'y a plus personne, en vrai. Il n'y a plus aucun... il n'y a plus personne pour se battre. Il n'y a plus de troupes. Donc, bah, on va faire avec. Ouais, il faut absolument reprendre rapidement le truc de guerre. Là, Patani et compagnie, si je peux tirer une paix blanche, ça me suffira. C'est Adjuran que je vais mettre au fond parce que c'est un gros bâtard. Et ça me semble tout à fait justifié de lui éclater sa gueule de gros bâtard. Hein, j'imagine que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Putain, mais il n'y a plus rien à piller là, j'ai trop pillé. Cul, ouais. Mon cul, y a rien du tout. Oui. Bref. Allez. On récupère les terres. Je sais pas où il est parti, Adjuran. Est-ce qu'il a une autre guerre, ce con? Non, il a pas d'autre guerre. Il a fui comme le pleutre qu'il est. Espèce d'infâme sous-merde. Là, il y a moyen de piller les Espagnols ou pas? Oui. Bon, ça fait 3 balles. Écoutez, entre 3 pis rien, je préfère 3. Puis les Anglais, 5. Ok. Le score de guerre, du coup, là. Va commencer à se réduire. On a ici une petite... Alors, qu'est-ce qu'on a? On est à moins 20 ici, hein, ça picote un peu quand même. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bienveillance, amélioration des relations, ouais, machin, ouais. Impôt national. Je pense que s'il y a un moment où il faut augmenter les impôts, c'est peut-être maintenant. Ça me semble pas déconnant, moi. 38, là, parfait, ça. Allez, 35. Allez voir, tas de fumier. Hop. Ok. Ok. Donc là, il y a plein de gens. Il y a même des bateaux. Intéressant. Ah non!
Ah putain, parce que vous me prenez la tête, les. Bon, dans les îles, ils vont se démerder un peu, hein. Ils sont grands. Voilà, ils ont passé l'âge de devoir être chaperonnés. Ils vont un peu se démerder, quoi. Machin, ça te dirait une paix blanche? 9 sur 10 pour la paix blanche ici. Parce que j'ai pas envie d'aller chercher les trucs là-bas, ça m'intéresse pas. Hein, en vrai. La trêve avec le Portugal a expiré. S'il est pas débile, il m'attaque maintenant, c'est fin de game, le Portugal. C'est rideau. Ici, on a à 10 déjà. De toute façon, tu vas rembourser mes emprunts, bâtard. Hein. Clairement. Ouais. Lui, il va rembourser mes emprunts. Je peux rien y faire pour l'instant. Ici, la paix blanche, comment on fait? Ouais, c'est bon. Ouais. Je pense que du côté de Passaï, paix blanche. Une impasse. Ça me convient très bien, le terme d'impasse, parce que c'est littéralement ça, en fait. Vous, là. En avant. Là, on est sur une armée qui est pas équilibrée. Hein. 4-6-1 en termes de répartition de troupes. Yes. Ok, ils sont partis. Ils ont pris un sale coup. Ils ont pris un sale coup. Pour pouvoir réclamer un truc, de toute façon, il me faut 10% hein, de score, on le sait. Or, pour l'instant, j'ai pas 10% de score. Ouais, là on prend clairement de l'attrition. On va virer ça, pas nécessaire de se prendre la tête. Ok, là on est à 15% déjà. Pour lui demander masse de thunes, on a vu que c'était 25. Ouais. Je sais pas s'il faudrait pas mieux faire une paix un peu rapide en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est que, bah, comme vous l'avez vu, on n'a pas d'alliance pour l'instant. Et c'est super dangereux. C'est vraiment, vraiment super dangereux. Si jamais on m'attaque maintenant, je suis pas prêt en fait. Hein. Donc je pense qu'on va, on va devoir y aller mollo en fait. Hein, sur les. Je pense qu'on va rentrer chez nous ici. Je pense que là, on va aller poser nos miches sur sa capitale de merde. Je pense que là, on va le suivre tranquillement sans provoquer le combat. Aussi. Parce que j'ai pas la force de provoquer le combat, en vérité. On est trop dans le mal pour provoquer un combat. Est-ce que je... Ouais, ici, j'ai un mec qui a des capas en siège. Pas déconnant. J'ai complètement 50 points. Donc, je vais complètement canonner ce merdier, là. Il y a un truc à canonner seulement. Il y a un truc à canonner, ouais. Ouais. Je me suis bien mis avec le Maroc, avec les Mamelouks et la Perse. On va retourner voir un petit coup lui là, parce qu'il me fait un peu flipper aussi, en vrai. Je pense que ça va être tout pour l'instant. Allez, on fait genre de lui courir après, on continue.
Là, on fait gaffe qu'on n'ait pas un bateau qui coule comme un con. Ah si, ça commence à être critique là. Ça commence à être critique. Ah fuck. Les fils de... Ils vont couler des bateaux. Ouais, bah là on va perdre des bateaux. Ouais. Enfin, cela dit, des bateaux, il y en avait trop de toute façon, donc au moins comme ça... Je peux pas dire que c'est dramatique. Allez, allez. Il a fait là, il a pris ça là, ce bâtard. On perd pas mal de bateaux. Allez, s'il vous plaît. Yes. Voilà, donc là, avec la capitale. La capitale par le fond, normalement. Je pense que là, on ferait mieux de fuir. C'est pas très important. Et là, on va négocier. Là, on va négocier. Donc, déjà, on va négocier 55 balles, déjà. On va négocier 3 provinces de plus. Je veux pas des repas de guerre. Alors, on va prendre les repas de guerre et 2 provinces. Et on va arrêter là. Oui. Oui, on va arrêter là, oui. Allez, les gars, chacun à sa place, vous les gars, merci. Vous n'êtes absolument plus requis, on va dire. Et là, il va falloir faire un certain travail de reconstruction, comme on dit. Parce qu'on est quand même un peu dans le mal. Bon, déjà, premier truc. Hein. Premier truc, il nous faut des alliés. Il n'y a, y a pas débat. Il faut des alliés. Sauf que qui va vouloir s'allier avec nous? C'est un peu le problème. Hein. Si on va voir le truc diplo là. Alliance. Les offres d'alliance, c'est quoi, quoi? Le Majapahit. Le Majapahit. L'Ayutthaya. Ouais. Dans cette région, une alliance avec l'Ayutthaya, c'est tout à fait valable. Alors, il y a des révoltes. Ils se démerdent. En vrai, ils se démerdent. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que c'est censé être des pirates. Hein, donc, si à un moment, les pirates... Si à un moment les pirates ils sont pas foutus de. Pas de rapporter de l'argent. C'est un peu ce qu'on leur demande, bah du coup ils se démerdent. Et puis voilà. Moi je peux pas donner plus. Hein. Je suis à bout. Au fond. Je suis terriblement au fond. Ici, on va pratiquer la course. Bah, dans les Caraïbes. Clairement. Voilà. On va éviter pour l'instant. Ouais, on va éviter pour l'instant d'utiliser les autres bateaux. On a des emprunts à rembourser. Ça picote un peu. Je pense qu'on peut quand même prendre un mec ici, ce serait pas grave, en vrai. C'est pareil, on va. Il faut qu'on limite vraiment. Toute la flotte doit être démontée en vrai. Putain, c'était dur. Hein. La vache. Voilà, bon. On a quand même gagné quelques territoires, mais on a souffert. On a vraiment souffert.
Et on n'est toujours pas serein, hein, comme je l'ai dit. Hormuz. Bah oui, j'ai déshonoré une alliance, mec. Heureusement que je l'ai déshonoré. T'as vu ce que tu m'as demandé? Soyez pas débile. Ouais, il n'y a personne d'autre qui peut vraiment nous supporter. En tout cas, pas en Europe, déjà. Ça, c'est clair. Il nous faudrait des grandes nations ailleurs. Le Maroc, c'est pareil. Le Maroc, 51 sur 60. La confiance, hein, c'est casser la gueule quand même. Et je peux pas faire mieux. Dans le Nouveau Monde, il n'y a absolument rien. Rien qui soit. La Hollande, les Hollandais. Non, les Hollandais nous détestent profondément aussi, de toute façon. Ouais. Sans grande surprise. On va quand même envoyer un diplomate, histoire de dire. Et là, bah du coup, ça va être. Ouais, ça va être que des petits moments de gestion, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en trop là? Ouais, je pense que toi, pour l'instant. Pas requis. Et toi non plus. Voilà. Bon. Ok, donc les marins seront bientôt de nouveau en état d'agir. Fin de la trêve avec Hormuz. Ouais, Hormuz, c'est mort, c'est profondément mort. La Castille, on va essayer de la mettre dans le mal. Mais en vrai, c'est plutôt nous qui sommes dans le mal. Donc eux, aux dernières nouvelles, leur boulot c'était de piller. Non, non, de piller. Pas le cap de Bonne-Espérance, c'était la Côte d'Ivoire. Hein. C'était là, en Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais, c'est pas très rentable, on dirait. C'est le plus rentable quand même. Allez, c'est parti, les gars. Ah, ils vont réparer avant, de fait, évidemment. Trop éloigné de nos territoires. Ah, mais c'est vrai qu'il y a la populace là. Parce que ça c'est acquis ça. Ça, c'est à la Colombie. Ouais, le truc, c'est que la Colombie. Ouais, la Colombie à tout prix. Ah putain, ça fait chier. Ouais, ça fait un peu chier. C'est-à-dire qu'on peut plus vraiment piller là depuis que c'est devenu colombien, ça. Bah, au pire, si jamais ils perdent ça, on ira le récupérer. Et on le filera pas à la Colombie. Et. Bah, tant mieux, limite. Parce qu'elle me sert à rien, cette Colombie. Elle me sert profondément à rien. Allez. Bon, ça fait 28 minutes d'épisode de souffrance. On va peut-être arrêter là pour aujourd'hui, non? Moi, j'ai assez souffert en tout cas. Ouais. Je pense que j'ai assez souffert pour l'instant. Il n'y a vraiment personne qui peut nous blairer, malheureusement. Notre armée est au fond. Ouais. Balich. Ça a l'air d'être une sacrée force aussi. Hein. Ouais. Notre colon, il était où la dernière fois qu'on l'a vu? Il est là, notre colon. Ouais. Ok. Très bien. Bah, on va voir comment on peut gérer ça. Au niveau des remboursements, c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est des vaisseaux de transport. On en est à combien là? On en est à 155. Ouais, il faut qu'on coule des trucs. Ça, personne me le rachètera de toute façon. Donc, par le fond, on n'en parle plus. Et c'est le Portugal.
La Utaya qui a refusé de participer. C'est le Portugal qui nous déclare la guerre. Son casus belli est donc conquête. Alors, le Portugal qui nous déclare la guerre, bah c'est pas la bonne nouvelle. Hein. C'est pas la bonne nouvelle du tout. Bah donc c'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est quoi le casus belli? Calabar. Calabar, c'est toujours le truc dans le coin, non? Je sais plus. Enfin, toujours est-il que... On sait. On sait que c'est pas le plus dangereux, le portugais. On le sait. Là, par exemple, on a 61 vaisseaux. Et lui, il en a 34, là. Est-ce que c'est pas l'occasion de lui tomber sur le coin de la gueule? Histoire de lui dire juste bonjour, en fait. Essayez de le saluer comme il se doit, notre ami portugais. Ah. Il a envoyé ses vaisseaux. Il a envoyé ses vaisseaux se reposer. On va bouger. Bah comme d'hab en fait, hein, ils vont prendre tout ce qui se trouve ici. Il n'y a aucun moyen que mes petites ici. Colonies n'arrive à faire quoi que ce soit. En vrai, c'était la vraie mauvaise idée de foutre des colonies à moi dans le vieux monde. Hein. J'aurais dû me contenter de... ouais, d'une petite... dans le nouveau monde, je veux dire. J'aurais dû me contenter d'une seule petite province par-ci, par-là, histoire de pouvoir piller. Le reste étant bah, une assez mauvaise idée, en fait. Assez mauvaise idée, bah, parce que, comme vous pouvez le remarquer, c'est un boulevard que je suis incapable de protéger, hein, tout simplement. Et évidemment... Ça nous coûte à chaque fois. Je vais regarder si je peux piller ces tocards au passage. J'ai pas l'impression. On peut couler ça au passage par contre, mais on peut toujours pas piller. Ouais, on va se contenter de ça pour l'instant. Comme d'habitude, hein, le portugais, il y a peut-être moyen de le maintenir. Attention, cette fois, sa cible de guerre, c'est ça. Là. Donc ça, faut pas qu'il le prenne. S'il le prend, on a un peu l'air con. Donc faudra voir comment on fait pour faire en sorte qu'il ne le prenne pas. Ouais, la partie, elle est raide hein, pour l'instant. C'est difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'on n'a aucun allié. Le Mamelouk ne veut pas. Là, on venait de signer une alliée avec Ayutthaya, il a préféré se tirer. Je vais voir si je peux pas arracher une alliance avec des trucs un peu plus fat. Ouais, genre les Ming. Genre si je suis allié aux Ming déjà, les gens ils vont commencer peut-être à ralentir un petit peu sur les agressions. Ça serait bien. Mais on verra ça dans un autre épisode, celui-là il a beaucoup trop duré. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite de cet incroyable merdier. Bye bye les gens.